quelque chose, mais. Qui a-tu ça là? Oh bordel de merde, quel abruti! Oh merde, putain! Et ça sort le marteau immédiatement parce que ça veut pas discuter! Ah, je crois que ceux qui sont atteints du syndrome, on les a là! Comment ça? C'est toi qui as du syndrome? Très mieux de se réparer le cerveau. Mais qui a dit quoi? Allez! Allez, on va se calmer, on va pas discuter! C'est agréable! Ça va être ça, dans ta caisse, tire-toi d'ici! Sinon quoi? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un coup de marteau? Ça va être très simple, je vais te fracasser le crâne. Mais pourquoi tu veux me fracasser le crâne juste parce qu'on n'a pas voulu partir d'une station service? On s'en fout, y'a rien, quoi, vas-y. Ici. Mais c'est quoi, vous pouvez partir, les gars. Ah là là, mon dieu. Donc, toi, ton but dans la vie, c'est de parler à personne et de rester comme un con devant une station service? Casse-toi, casse-toi. D'accord. Putain d'abruti. Elle a pas dit Jacques Addy en plus. Oh putain, le level. Bordel de merde. Vas-y, accélère. Ouais, regarde, j'accélère, je recule. Hop là. Ah putain de merde. Effectivement, ça va être ça tout le temps. C'est de côté de la rue, hein, oui. Terrible. Hein. Tu penses qu'on devrait aller voir ceux en face pour voir s'ils sont mieux? Si tu recules un peu, tu les entends gueuler. Oh. Attends. Hop là, faut que j'enlève le papier d'alu du téléphone. Hop là, je le retire. Je suis de ma gueule là, en fait. Hein? Je suis de ma gueule. Oui, non, non, je suis en train de chercher le numéro de ta petite sœur là pour savoir où je dois aller là, gauche ou à droite. Oh, y'a les fives là, y'a les fives, arrêtez, y'a les fives. Putain, attends. C'est quoi la prochaine, c'est dans ta mâchoire? Hein? La prochaine, c'est dans la mâchoire, c'est ça? Bah pour ta petite sœur, oui, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est à gauche. J'espère par contre que derrière ils ont pas calé, hein, parce que sinon. Si c'était pas vous. Si, en camion déboueur. Ouais, c'est oui, ça. C'est ça ouais, c'est bien vous, oui, je vous reconnais. Ouais, bon. Mais on vous avait dit que vous avez un accoutrement ultra stylé. Ah bon? J'ai pas entendu ça, moi. Bah si, on l'a dit pourtant. Ah bah j'ai pas entendu. Bon, la prochaine fois, parce que là, elle m'est revenue sans bleu dans la gueule, rien du tout. Vous pourriez pas un peu la fracasser, qu'elle ferme un peu sa gueule? Parce que là, il y avait rien, quoi. Ah, vous voulez qu'on la fracasse? Bah écoutez, c'est quand même la moindre des choses. C'est une bonne à tout faire, c'est une petite salope, quoi. Il faut la traiter comme pour une petite salope. Pour les assurances aussi, vous comprenez, hein, faut que ça paye. Ah, ok, ok, bah... on a besoin pour les arnaques et assurances. Après, je prends 500, c'est à vous de voir. Un papier signé, pourquoi pas, 500? Ah oui, ouais, par contre, pour la tabasser. Frapper, c'est 500 balles, ouais, on est d'accord. Ouais. Pour tabasser 500 dollars. Après, ouais, vous pouvez vous défouler. Hein. Attends. Ok. Ok, bah on prend notre. Je parle moins fort, ma gueule. Ah alors, ouais, ok, ou, je préfère, hein, si vous êtes 6 ou 7, c'est même encore mieux, je pense. Bah, en vrai, tabasser. En général, on est 20-25, c'est juste que ce soir. Il faut les tarifs de groupe aussi, hein. On peut faire un tarif de groupe, oui, en effet. Ouais, y'a pas de soucis. Ah. Hein. Ouais, non, y'a. Bon, c'était pour représenter aussi qu'on vit à chez les Meriranos, là. Comment ça s'appelle, qu'ils appellent ça le balio, là. Le barito, oui. Le bariton, ouais. Le barito, ouais. Ouais, ouais. Qu'on vit là-bas, et que nous, qu'on... Pourquoi tu m'insultes, toi, sac à merde? Comment tu connais sa mère, ouais. Sac à merde, c'est pas une insulte. Ouais, sac à merde, c'est pas une insulte, ouais. Exactement, ouais. Ah, vous en avez de la conversation, ça, pour sortir son gros marteau, et... Et faire le Pink Floyd, là, y'a du monde, là. Ouais, ouais, casse-toi, tiens, t'as une bonne tête de trou du cul, toi. Je suis sur la ligne blanche, là, regarde bien, là. Aïe, aïe. C'est là où ton père a dû se faire fusiller, là, sur une ligne, comme une grosse merde. Aïe, les enculés, les enfoirés, ou... Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, réponds par la violence, moi, j'attends que ça fracasse moi la gueule. Montre-moi que t'en as dans le slibard, espèce de grosse merde. Aïe, 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 au milieu, regarde là, il bouge pas. Oh putain. Ah oui, en plus ils dansent avec leur musique. Oh les mecs, ils pensent vraiment avoir gagné une grosse guerre là, les gars, non? Hein? Hein? On a du lourd là, non?
Ah mais c'est pire du frère SS hein, Bobby X, hein, à 100%. Ah, moi je pense que je vais aller poser une petite pêche en attendant là. Putain, les gars, ma caisse, je vous les connais, sérieux. Je vais vous claquer les portières super fort, moi j'en prends soin de ma caisse. Donc s'il vous plaît, respectez-la un minimum quoi. C'est où qu'on va qu'on se retrouve? Ah merde. De quoi? C'est où qu'on va qu'on se retrouve? Et on s'appelle dès qu'on est sorti, je vous appelle, on s'appelle. Ouais d'accord, ok, je t'en appelle. Oui, c'est Jean-François. $5,000, c'est pas cher payé pour sauver une petite boîte là qui fait du bois. Ouais bah c'est sûr, du bon bois en plus. Bon ça je sais pas. Ah oh, c'est quoi ça? Attends, c'est un rendez-vous d'homosexuels ou c'est des appels de phare, hein? Ah bah j'ai plus de phare je crois, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais je crois qu'il lui caressait le chibre. Ah ouais? J'ai vu. Attends, on va lui demander ce qu'il fout là. Oh putain. Oh, pas de cam ce soir, j'ai un torticolis. Je suis toujours dans le froid, je suis avec 30 000 couvertures collées à mon... Enfin, 30 000 vêtements collés à mon radiateur portable. Donc, il peut avoir une panne de courant à tout moment, ouais. C'est pour ça que j'ai démarré à la ZAB et tout, je voulais pas streamer. Et ouais, ouais. Ouais. Non, mais je sais pas, tu voulais quoi? Tu levais les mains pour me dire quelque chose? Ah non, je demandais ce que vous disiez avec le monsieur. Ah, on discutait avec lui. C'est votre amoureux? Comment? C'est une amourette? C'est amoureux? Ah non, je suis pas de ce bord-là, mon petit pote. Bah, des trucs sales, ouais. Là. Ouais, côté du chalet. Ah non, quand même ouais. Pas, quand même pas, les petits potes. Quand même pas. Une fois au chalet, oui, on les connaît, ouais. Ouais, on tira rien. Ah non, quand même pas, tranquille, tranquille, les gars. Ah bon, bah c'est quoi que vous caressiez, là, quand je suis passé, j'ai vu. Ah, je caresse rien du tout, moi. Ah trois bon, chauds, Fulia, je pense. Ah, c'est ça pas va, un torticolis, c'est. Allez-vous. Au niveau des. Vous, dites-moi alors, vous êtes. Faites quoi en ville, les petits potes, là? Et là qu'on avait une réunion d'entrepreneurs avec des gens qui sont pas du métier de l'entrepreneuriat. Ah, et vous faites quoi alors du coup? Bah qu'on on entreprend... entrepreneurial. Oui, c'est un colloque quoi. Et d'accord. Et un symposium même. Ah mais non, mais tout peut intéresser hein, si ça gagne de l'argent. Ah bah on a des trucs qui gagnent de l'argent, oui. Ah, et c'est quoi que vous faites alors du coup, ça dérange pas? Eh ben... Bah... On fait des... Ah, quelqu'un peut lui expliquer parce que c'est compliqué. Attendez, je recule. Ouais, vous garez-vous. Enfin, ils se gardent comme des pieds, genre. Ah, oh, vous me faites chier, les gars. Hein. Qui m'appelle? Putain. Ah, c'est le détective privé. Ah, mais non, mais alors... ça peut intéresser toute la famille, vous voyez. On est, ouais, on est arrivé à beaucoup en ville. La famille? Ouais, ta famille. Ah, les Texans, on est arrivé. C'est quoi ce que connerie ouais, de Texan? Bah, des Texans, des Américains quoi, enfin je sais pas ce que... Ouais, ouais. Ah les Texans, on vient du Texas quoi. Ah ouais, bah ça se voit, ouais. Ah ouais, bah de toute façon tu vas en croiser pas mal, on est arrivé avec un gros avion. Ah oui, un gros avion, ah oui, bah c'est très intéressant. Ouais bah non, bah nous de toute façon monsieur, comme il a dit mon collègue, hein, c'est des formations pour être entrepreneur, pour faire de l'argent, hein. Voilà, on apprend aux gens à faire de l'argent pour qu'ils soient aussi aisés que, voilà... Que des gens riches quoi. Hein. Bah, est-ce que je veux dire, hein. Expliquez-moi, ça peut m'intéresser. Pour que vous soyez autonome. Voilà, oui. Ouais, mais exemple, quoi, quel style de. Bah, par exemple, investir dans des business comme l'or, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? On donne des conseils. Là, en fait, j'ai mal là. Bien sûr. Là. Là, c'est intéressant. Là, ici, là. Oui. Donc voilà, quoi, là. Même nous. Ouais, c'est le contraste. J'avais touché un truc et du coup, je tout est rouge. C'est pas ça. Fuck. Non bah n'hésitez pas, si plus tard vous avez des petites infos ou quelque chose, même... Des petites infos, on en cherche aussi, ouais. Non, des infos, attention. Ah oui. Même si j'aime bien les petites infos, je préfère, tu vois. Mais les petites infos, n'hésitez pas. Moi j'ai une question à vous poser, monsieur Kim Jurlupine, mais c'est un peu indiscret. Est-ce que si vous rapprochez votre bouche de mon anus, votre petite moustache, elle va me titiller le trou de balle? Ah, par contre, non, pas du tout, je suis pas de ce bord-là, mon petit. Ah, moi non plus, c'était une question totalement rhétorique. Ah, non. Oui. Non, par contre, non, je suis pas de petit ce bord-là. Mais ouais, comme je disais, ça peut intéresser mes petits potes, là, ma petite famille. Là. Ah, ils ont des moustaches aussi petit pote, hein. Les moustaches, oui. Ah, ouais. Attendez, intéressé par le travail ou pour manger des culs? J'ai pas compris. Ah, non, pour le travail. D'accord. Oh, bah, y en a, c'est les deux, leur travail, hein.
C'est tout, ah ouais, mais non. T'es sérieux, Jack? Mais non. Est-ce que t'es suisse? Vous voulez que je leur demande? Vous vous souvenez pas de Papy Corso? C'est Papy Corso, ouais, ça. Ouais, allez-y. Qui faisait toutes les chansons sur Ad Astra. Ah, je leur demande, mais si. Non, bah, vaut mieux pas qu'ils viennent, vaut mieux pas qu'ils viennent. Et ils sont beaucoup s'ils viennent. Ah bon? Ah oui, oui. Mais quand je vous dis qu'on est venu en famille, c'est en wagon de 25, quoi. Ouais, qu'on est pas au complet non plus. Vous savez, nous, briser les lois, ça nous fait pas peur. Oh non, mais c'est pas briser les lois qu'on fait. C'est justement pas intéressant. Vous nous dites qu'on peut gagner de l'argent. Nous, on est des gros bosseurs, vous savez. Ah oui? Ah oui. Ah bah bien sûr, hein, nous, ah oui, pour tout ce qui rapporte, chaler, oui. Tout ce qui est bien, tout ce qui peut rapporter de l'argent, nous on prend. Ah oui, tu fais quoi de tout cet argent, monsieur? Non, on est l'inverse. Oh, on achète des bagnoles surtout là, parce que là, putain, la ville, elle coûte cher. Hein. Ah oui. Tu t'es rien, mais bah, l'économie, ouais. Elle fait mal au. C'est le Zitran Zitran là, au derrière. Ah oui, c'est vrai ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah et puis le petit mec de des voitures d'occasion, là, il fait pas de prix, hein, celui-là. Bon. Ouais. À vos souhaits, à vos souhaits. Viennois celui-là. Ouais, ouais, vous avez raison. De toute façon, ce qui compte, c'est de faire du pognon, hein, qu'on soit clair. Exactement. Vraiment, le leitmotiv de tout. Ouais, 14 heures à la vide, ça fait pas peur. Ah, mais bah, moi non plus. Ah, hein. Putain, ah, vous êtes. Ouais, vous êtes motivés, les petits gars. Quoi, ah, les conditions de travail sont là. Ouais, nous, vous avez, ouais, ça va, ouais. Alors, quoi, vous avez jamais fait de la mine, vous? Ah, si, si, j'en ai fait au tout début. Mais ah, ouais, ça allait bien. Hein. Ah non, on va mieux, on trouve mieux, on trouve mieux quand même. Ah bah dites-nous les bons plans, moi je suis bien. Ah oui, oui, oui. Ah bah vous avez pas demandé le vignon? Le vignon, ah bon, ouais. Et vous avez déjà été syndiqué, monsieur? Enfin, vous en pensez quoi du syndicat? Ah, pas du tout, j'ai pas été syndiqué encore. Ah et ça vous c'est le genre de truc que vous avez envie d'être ou pas? Oh, ça peut être intéressant, ça faut voir ce que ça rapporte. Ok, alors moi je vais vous montrer ce que ça va vous rapporter. Elle est bien belle votre chemise là. Et enculé de capitaliste de merde, tu penses qu'au pognon, toi, hein? Grosse merde, va. Hein? Les mecs comme toi, je leur chie de la confiture sur le crâne, espèce de salope, va. Ah, les petites bonnes, les petites bonnes. Allez, dégage de là avant qu'on te cartonne ta gueule de pecno, va. Attends, bouge pas. Grosse merde, va. Allez, va te sucer avec tes frères, là, à 25, sur le buckeck, va faire des buckeck, là. Enfoiré de capitaliste, yankee de mes deux couilles. Ah ouais, banquier. Connard! Restez là 5 minutes, les petits gars, j'appelle la famille. Ouais, super. Vas-y, appelle tes consanguins, trop de cul. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher, il m'a énervé. Putain de capitaliste de merde. Oui, ça bon, du coup, s'il a dit 5 minutes, d'ici 5 minutes, il ramène sa famille, et d'ici 10 minutes, la LSPD arrive, hein, ça peut être bien. Ça. Alors, est-ce qu'on la verserait pas, on n'appellerait pas tout de suite la LSPD? Bah, si, si, qui se met en planque. Hein. Attends, bouge pas. Ah bah, moi, je voudrais bien, mais j'ai pas de natel. Ah oui, ah ça non, leur fait un tuyau. Faut que je vous parle d'un truc après. Encore une fois, ah, c'est quoi frappé, Anatole, hein, ouais. C'est ça qui appelle. Tu t'as appelé? Ouais, ouais, j'ai appelé la SPD, ouais. Oui. Hey, tu te rappelles? Je viens te mettre là-haut, là, regarde. Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oui, God bless, vous avez pris 911? Oui, bonsoir, ici Jojo Lapin du syndicat LFTG-FTC. Ah oui, mais... Oui, oui. Oui, bah qu'on va se faire taper sur la gueule à Paléto, là. Ah ouais, vous faire taper sur la gueule, bah on arrive au plus vite. À côté de la Syrie, sur un bar. Oh, quelqu'un tout seul, un capitaliste, on lui a dit qu'on aimait pas qu'il faudrait qu'il soit syndiqué et qu'il arrête de penser qu'au pognon. Et il a préféré dire je ramène mes 25 frères, j'arrive dans 5 minutes et on vous casse la gueule. Donc, bah je vous prévenais à l'avance, si vous nous voyez joncher au sol, au niveau de. Vous savez, quand vous prenez la route, là, il y a un petit bar, là, à l'entrée de Paléto, là, à gauche. Bah, on est là, on les attend, on va se faire casser la gueule. Après, la Syrie, on est là dans 5 km. Ah, bah, très bien, tout de suite, alors. À tout de suite, on se dépêche. Bon, bah, vivement qu'on se fasse fracasser la gueule, quand même. Ah, bah, c'est soir, hein, pour les autres. Ouais, j'ai un numéro d'un détective privé. Oubliez pas de ranger un peu si vous avez des objets de valeur, parce que bon, c'est collard. Salut Kalia, salut Papa Gay. Ouais, salut Linair, salut Astar, salut Sweet Lobel. J'ai un détective privé, on peut l'appeler quand on veut, il est dispo. Mais c'est quoi cette connerie de détective privé? Il fait quoi? Il détectionne de manière privative? Bah, si on a besoin d'un truc, il le trouve. Ah, une oui voiture, un attends, mec, un connard, n'importe. Oh, attendez, j'ai une idée. Attends, si on va sur le toit, ils vont facilement pouvoir monter aussi ou pas? Ah oui, je pense. Il suffit de sauter là. Ah oui, putain, merde. Par contre, alors. Ah ouais, mais normalement, ce sera. Ah oui, Anatole, il vient cacher ce coup-ci. J'ai pris le fond du coffre. T'es déjà là, toi? J'ai du fond du coffre. Et ben alors? Eh, je prépare. Ouais, tu te prépares de quoi là? T'es entre deux cheminées, planqué comme un sgueg. Ouais, j'ai dit Anatole. Bah oui, bah, on sait jamais, hein. Il faut bien. Ouais, on sait jamais quoi, t'es en train de nous laisser en bas tranquillement. Ah, mais oui, pour les photos. Bah oui.
Ah oui, d'accord. Là, tu... Le photographe. Il est entre deux cheminées là. Ah merde. Fais gaffe, Eustace. Je vais les attendre en bas. Hein? Je vais les attendre en bas, j'ai même pas peur. Ah ouais, tu peux, hein. C'est... Ton odeur va les faire partir instantanément. Ouais, super bien. Ouais. Je la travaille. Oh, ils sont un peu loin à arriver quand même. Vous croyez qu'ils vont venir? C'est pas à dire. Ouais, c'est à dire, s'ils sont en train de bosser, ils verront peut-être pas, oui. Ouais, c'est pas con ça. On aurait peut-être dû prendre son numéro à l'autre connard là, on l'aurait appelé pour dire qu'on attendait là. Hein. Ah, il est 5 minutes, il y a 3 minutes. Ah bon, ouais, ça va alors. Je pense que les flics vont arriver avant eux. Ils étaient où? À 5 km. Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. Et quand vous serez au bas, oubliez pas de parler bien fort parce que d'ici, je vous entendrai pas sinon. Hein. Hey, t'entends, hein? Ouais, je t'entends. Et Anatole? Oui? Elle va te faire reculer, tu l'as entendu? Eh, ouais, ouais, c'est vrai, je t'entends. Ouais. Ouais. Ah, elle est bien bonne, celle-là. Ouais, j'aime bien. J'aime l'humour, oui. Eh, faut pas les sperme partout, bon, pêcheur, les lèvres qui se mettent. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Ton papy, il aime ça, les hommes huilés qui se bagarrent entre eux. Oui? Oui, oui, c'est bien vrai, ça. Bien dit, ça, Eustace. Ouais, t'as taillé, bah. De quoi? Ah, regarde, c'est... Ah, bizarre. Oui, c'est vrai, ouais. C'est le... Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais bon, je respecte que tu le dises, ouais. Ouais, ça, c'est ton côté objecteur de conscience. Ouais, c'est ça. Bon. Après, il y a quand même une part de vérité. Par contre, je suis en train de compter, on est quoi? Dans le syndicat, on doit être combien? Une douzaine? Ah! Ah bah, les v'là, c'est con. Ah bah, parfait ça. Ah bah, ils ont failli nous écraser. Ah bah, impeccable ça. Hop là. Ça a coûté cher en essence. C'est pas grave. Bon, par contre, les petits gars, là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Elle est bien crade, votre chemise, vous auriez pu vous. Vous l'avez quand même. Tranquille, toi, là-bas derrière. Ouais, c'est moi, ouais, je t'ai craché dessus, ouais. Et pourquoi tu m'as craché dessus alors, du coup? Parce que t'es un enfoiré de capitaliste. Oh putain, vous attendez ça, les frangins? Tu veux qu'on s'adonne? Capitaliste de merde! Ah, j'ai pas dit bagarreur, j'ai dit capitaliste, hein. Ouais, alors, tu viens de dire là. Ça hein ramène pas trop, mon petit gars. De quoi la ramène pas trop? Vous avez tout de suite les bouffeurs de... Les bouffeurs de quoi? Et retourne ramasser... Bouffeurs de chibre, vous sucez entre vous. Retourne ramasser ton métal, toi. Te mettre un banque dans le cul. Violeur d'enfant, on ne se drogue pas, si on est des syndicalistes. Le monsieur qui a le même sapeau rouge qui s'est fait agresser par l'un de ces gars là, il s'est fait cracher. Voilà, dessus. On nous a appelé parce qu'on croyait qu'il s'est fait agresser. C'est faux, monsieur, il débarque à 15 pour nous taper sur la gueule. C'est moi qui vous ai appelé. Excusez-moi, c'est vous bien qui m'avez appelé. Ah oui, c'est moi, monsieur. Oui, bah en effet, donc je comprends pas ce qui se passe. Vous me dites qu'il y a une bagarre maintenant. Mais ils inversent la situation, monsieur. Ils ont commencé à flipper, ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à flipper. Ils nous ont insulté, craché dessus. Quoi? 10 minutes après, ils vous appellent en ayant peur. Même pas, ils assument ce qu'ils font. N'importe quoi. On est affilié au gouvernement, monsieur. On fait pas des trucs comme ça, nous. Capitaliste de merde. Craché sur sa chemise. Votre ami a essayé de me mettre à coup de boule et me mettre au sol, bah, forcément. Sûr, c'est ça, on va vous croire, mais... Il a dit qu'il allait chercher tous ses frères pour nous péter la gueule. J'ai appelé la police, monsieur. Vous tentez d'insulter et de cracher sur les gens et après vous appelez la LSPD pour vous cacher derrière. Ah, je sais pas. Ils sont beaux, les gars, comme vous. Bon, monsieur. Doucement, on va faire deux choses. Oui. Aiden, tu peux prendre la version de ces messieurs et je prends la version de ces messieurs. Non, mais on va pas prendre deux versions en fait, si vous les faites dégager parce qu'à la base. Dégager de quoi? Des animaux, des chats, la police, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire, leur donnez pas des ordres. On a
donné d'ordre à personne, d'ordre, monsieur. Qui est Edison, on n'a pas donné d'ordre. Ouais, il donne des ordres, ouais, vous donne des ordres. C'est les capitalistes. Oui, oui, on est calme, monsieur, vous inquiétez pas, nous. On allait juste se faire agresser, c'est tout. Putain de Texan, quoi, répète. Vous avez vu Moi, l'autre avec le chapeau blanc, il m'a pas assez de tête. Bon, bon monsieur, je suis texan aussi, j'en fais pas tout un foin, c'est bon. Taisez-vous, taisez-vous. On l'embarque. Que ça soit l'un ou l'autre. Embarquez-les, ceux qui nous insultent. Vous mettez sur le côté, vous allez vous mettre là-bas derrière le véhicule de police. Bande de méchants. Oui, vous, chez vous. Bande de méchants. Bon. On va procéder à un contrôle d'identité de la plupart des personnes. Ouais, bien ici. Sûr. On va également, ouais. Fatigué. Bah, également oui, une d'accord. Fouille pour voir s'il n'y a pas d'objet contondant. Pas moi, pour non, ça, pas problème. Merci beaucoup. Oui, on va pas commencer soucis. Par vous, monsieur, et on va faire dans l'ordre. Ah non, non, et nous, si on vous a appelé, c'est bien qu'on était... Vous savez, on tape jamais personne, nous. Tu veux pas arrêter de gueuler, toi, là-bas, là, on n'entend plus que toi, là. Ouais, les jeunes, je peux rien, les arrêtez de crier, on parle doucement, tranquillement, on frise la situation. On ah oui, y'a pas de soucis, nous, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Ah, il nous agresse. Vous inquiétez pas, ils seront également fouillés. Ah oh non, mais qu'on s'inquiète si pas, monsieur. Il a volé pas mon chapeau. Non, vous inquiétez pas. Je sais qu'il est beau, merci beaucoup. What? Bien, on y va. C'est Becky, ça. C'est un copain. Oui, c'est notre ami, ouais. Notre ami Becky. Par contre, on a perdu Anatole, je suis sûr, il s'est fait casser la gueule derrière. Oh merde, Anatole. Putain, j'espère qu'il a rien fait de mal. Ah bah, je sais pas, faudrait le chercher. Ouais, c'est peut-être un bon ami. Yes, stage. Ouais. Excusez-moi. J'ai pissé à coup. Attention, excusez-moi. Fouille, merci. Ouais, peut-être dans mes poches là. Faites attention, vos ablettes commencent à puer. J'ai pas quelque chose de périmé. Hein. Ah, c'est pas la nourriture, j'ai lâché une caisse. Ah, salut le prêtre Panam. Moi je fouille tout le monde, je te laisse contrôler l'identité. Okay. Hop, c'est bon, merci. Et. Ouais, y'a stage que oui. J'ai mal. Et Anatole, t'es où? Ouais. Et vous avez pas vu notre copain Anatole? Il est où? Anatole? Ouais, monsieur. Mais il est où ce con? Mais il est où Anatole? Ouais, un vieux bon. Anatole! Monsieur? Mais il est où? Bah merde! Ouais, mais aujourd'hui. Anatole, t'es où? Bon, ce matin, j'ai un peu picolé. À quelle heure, monsieur? Vous avez bu combien de litres? Bah pour dormir, 8 litres de... Quoi? Hein? 8 litres? Bah de bière, je savais. Ouais, on bière. Va les faire repartir. Monsieur, c'est des bières à combien? Ah bah, 15$. Non mais pas le prix. De quoi? Le degré. Que vous voulez, vous voulez mon passeport? Oui, s'il vous plaît. Ça, il faut expulser les casettes. Faut le demander, si vous me demandez, je vous le donne. Mais elle me demander. Vous parlez fort, hein, moi j'ai pas votre âge. C'est de la 8-6. Bien entendu. Vous pouvez me le redonner parce que du coup j'ai des problèmes de vision. Vous demandez de monsieur. D'accord. S'il est mauvais, venez avec moi, s'il vous plaît. Venez, mais vous me le rendez, il s'appelle Reviens. Ouais. Voilà, alors voilà, monsieur, vous en faites pas. Merci. Qu'est-ce qu'il va faire au vieux? Merci à vous. Putain, ils ont eu Eustache. Ah, yeah. Je peux avoir le vote, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Voilà. Merci, Popovic. Ah. Dans le pantalon, peut-être? Tenez, je vous montre les miens. Là. Ah, voilà. Oula. Voilà. Tout le monde me montre le passeport en même temps. Voilà, ouais, comme ça, vous les avez. Hein. Alors, qui est... Jones, Jackie, c'est ça? Ouais, c'est moi, non. Jackie. Ouais, moi, c'est Jackie, c'est vous. Ouais, okay. C'est moi. Ah, c'est vous qui me refaut du coup, désolé. Oui. Tenez. Merci. Quelle histoire quand même, hein. Ah, c'est pas possible. Les gens sont jamais violents vu ça. Quand même. Ah, j'en suis retourné. Ouais. L'autre il m'a pincé, voilà. Il m'a pincé fort le téton, il doit être violé mon téton. Bon, il est clair que bon, vous pouvez croire ce qu'il voulait, mais moi je vous ai appelé, monsieur, moi c'était juste non, pour nous défendre. Sûr, hein. Non, mais bien sûr, alors attention. Tenez vos véhicules, les gars. Ouais. Merci. C'est pas que je vous crois pas ou je crois. En fait, c'est que là, on a pas de. Ouais, je pensais que vous alliez arriver quand on serait tapé sur la gueule. Vous avez été trop rapide, ils sont arrivés quasiment en même temps que vous, quoi. Oui, vous êtes très ponctuel. Donc, du coup, ce qui s'est passé concrètement, c'est que moi, ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Oui. C'est que vous les aviez, l'un d'entre vous a craché sur le monsieur en chapeau rouge. Mais non, c'est du coup. Costillonne. Non mais.
Voilà. Ce qui s'est passé après derrière, c'est que du coup, le chapeau rouge a appelé tous ses collègues pour pouvoir en effet vous péter la gueule. Il veut pas aller voir plus loin, celui qui est derrière, par contre. Que... Ouais, par contre, ouais, s'il vous plaît. Monsieur. Oui. Les gars, sont deux places. Oui, tu veux pas reculer là, Brokeback Mountain. Bah, je travaille, moi, monsieur. Oui, mais nous aussi on travaille, donc faites le tour. Nous aussi on travaille, monsieur. Bah, je vais mettre le. Voilà. Merci bien. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que clairement ils voulaient péter la gueule, ça c'est ce qu'ils m'ont clairement dit. Ouais. Par contre, je leur ai dit que c'était vraiment pas intelligent de faire ça et que par contre, la prochaine fois, vous appelez SPD ou quand il y a un contentieux comme ça, on est là pour ça aussi, pour calmer les choses et permettre de discuter. Par contre, ce que je vais vous demander, parce que vous êtes quand même sur le lieu de travail des vignerons, c'est. Je vous demande gentiment de partir. Si vous voulez porter plainte, vous portez plainte. Eux, s'ils veulent porter plainte, ils viennent porter plainte. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je peux pas. Non, il n'y a pas de souci, non, monsieur. Mais je vous dirais de les avoir à l'œil, que nous, on lui a juste dit qu'on était syndicaliste, qu'on pouvait le syndiquer, et qu'il a dit moi, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est faire du fric, acheter des voitures, faire du fric. Alors, bon, forcément, on lui a dit bah ouais, mais si t'es pas syndiqué, de toute façon, tu vas te faire niquer. Et il disait ouais, je m'en fous, j'en ai 25 si je veux maintenant, et j'ai démonstration de force, tu vois. Si j'en ai 25, je peux venir vous casser la gueule. Bon, voilà, c'est des petites frappes, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pour ça, je vais juste vous demander de circuler dans ces cas-là. Si on y va, nous, qu'on était en rendez-vous à la Syrie, on s'est mis là juste pour discuter 5 minutes, qu'il est arrivé sur ses grands chevaux. Bien sûr, c'est pas de souci. Mais voilà, du coup, si vous souhaitez porter plainte, vous allez porter plainte. Mais bon, comme vous avez dit, on est arrivé trop vite, apparemment. Oui. Ah, je suis bien content, vous êtes arrivé plus vite. C'est vrai qu'on est arrivé. Excusez-moi, par contre, je peux faire une petite aparté. Est-ce que ce monsieur-là conduit? Non, pas du tout. D'accord, merci. J'espère bien, hein, il va falloir éviter. Hein, parce que... Bah, ça dépend de l'heure, mais là, à cette heure-ci, non, il touche pas un volant. Il y a une règle, à 22h, il touche ni les enfants, ni les femmes, ni les volants. Ouais, pourtant, il conduit mieux bourré que sobre. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, je vous conduis. Oui, on y va, bien sûr, monsieur. Ah, bah, merci de vous être déplacé. Ouais, ça roule. Allez, à bientôt, monsieur l'agent. Oui, attendez, j'ai un petit cadeau pour vous. Et il est où à la gueule par contre? Mais putain, on a perdu la gueule. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Par contre, je suis l'agent, on a... je pense qu'ils ont dû cartonner quelqu'un chez nous. Parce qu'on a un ami porté disparu. Salut. Ouais, je sais pas, c'est. Frais pêché du matin, pêché. Comment ça va? Je sais pas où il se trouverait par hasard. Non, je l'ai entendu geindre tout à l'heure, mais là j'entends plus rien. Anatole! Monsieur, ça va? Anatole! Attendez, on recherche un de leurs collègues. On l'a entendu geindre, mais. Ah, j'ai un gros chauffage à côté de moi, mais les plombs peuvent sauter à tout moment. C'est un peu le problème. Ah, bah t'es là, putain, et tu m'as fait peur, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, grand trou noir, j'étais en train de pisser là. Oh là là, les histoires. Ah ouais. Parce que les gens peuvent être violents. Pour se syndiquer, comment on fait, monsieur? Ah ben c'est simple, vous payez 500$ le mois, vous êtes syndiqué, et ensuite dès que vous avez un problème, revalorisation salariale, problème avec votre employeur, demande de congé et tout, venez nous voir, on négocie pour vous, nous on a fui au gouvernement pour écouter. Vous avez un numéro de téléphone ou que je peux contacter ou pas? Ah oui, bien sûr monsieur, je vais vous donner mon numéro. Ouais. Il va se faire syndiquer. Parce que le slogan, c'est quand on est syndiqué, on se fait paniquer. Bah ça c'est bien vrai. Alors on va vous appeler Jojo, et le numéro c'est le 90 16. Oh là. 90-16 99-54 54, très bien. Ouais, hésitez pas qu'on en a beaucoup des syndiqués, hein, mine de rien. Non mais je pense que je vais venir me faire syndiquer parce que bon, on sait jamais, hein. Quand t'es syndiqué, tu te fais pas niquer, c'est vrai ça. Exactement. Ouais. Bah je vous remercie, messieurs. Avec plaisir, bah désolé, dérangement. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Bonne soirée, monsieur. Très bien, ce petit policier. Ils sont bien, hein. Bah je sais pas où les Gary. Bon allez, on y va. Il est où, Gary? Ah oui, c'est ce que je me pose parce Gary que. Gary a encore disparu. Je sais plus où j'ai mis mon poignon. Dans ma bagnole. En fait, c'est avec Gary que je parlais pour dire quoi. J'ai repris le mien. Ah merde. Là, ouais. Il est où, Gary? Je sais pas. Ouais, il l'a peut-être emmené. Peut-être qu'il est allé pisser un bon coup parce qu'il avait envie de chier, hein. Ouais, on va appeler la police, on va faire une suspension. C'est vrai que c'est logique quand Gary, tu veux. Il a dit qu'il allait pisser, oui, je crois. Ah, d'accord. Il a sa caisse, de toute façon, je crois, non? Non, il est venu avec moi. Ouais, il est venu avec toi. Hein. Oh, au pire, il nous appellera, il a un téléphone. Ouais, c'est ça. Père, il y a les taxis. Stash, il faut que tu prennes, qu'on conduise ta voiture jusque pour les 500 prochains mètres. Ouais, t'as pas le droit de conduire devant les flics. Ah ouais, putain, merde, chier. Elle est où ta voiture?
Mais là, c'est bon, c'est la rouge, c'est ah oui, bah, Kenny arrive, il va conduire. Ah bah allez. Ouais. Connard de capitaliste texan. Oui, oui, bah ça c'est le problème. Hein. Et ciao les trucs. Et quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Eh oh, la caisse là, tu déconnes oh là, toi désolé, hein. Complètement malade, eh oh. Papa, elle est toute neuve. Ouais, désolé, ouais, désolé. Les voitures quoi, les gars, quoi. Il a pu être sur un champignon. Ouais, ouais, ouais. Imbécile. Ah, il nous a insulté là, les mecs là. Oh, t'inquiète pas, oui, qu'on va se les faire. Non, ben, c'est j'espère, pas hein. Mais bon, faut pas que ça nous fatigue, hein. Faut que ça soit un coup facile. Oui, bien sûr, et t'inquiète pas. Ouais. Ah oui. Bon, j'ai pas mis une droite depuis 92. Hein. C'était quand ça? Ouais, c'était il y a au moins 20 ans 40 ans ouais, 30 ans, quelque chose comme ça, oui. Ah oui, bien, dis donc. Ouais. Ouais, ouais, quoi, que nous, qu'on a quand même. Qu'on tape pas, nous. Ah non, c'est mieux d'éviter, hein. Oh putain. Aïe. Connage, ouais. Tu sais qu'elle est allée se faire stringler là, qu'on avait pas de nouvelles. Ça m'étonne pas, vu comme elle marchait aujourd'hui. Je pense qu'elle a dû prendre cher. Ah oui, oui. Elle a pris cher, ouais. Oh putain, les gars, vous déconnez avec les voitures tout le temps. Hein. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, d'accord. Ouais. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Allez, ma caisse, les gars, déconnez pas. Et... Mais qu'est-ce qui se passe? Yeah, le mec de la foyer, il veut nous voir. Eh ben, on y va alors. Allez, c'est parti. Du coup, on part dans l'autre sens? Ouais. Ok. Si on y arrive, hein, vu l'état des caisses. Oh, je vais croiser les doigts. Oui. Ouais, t'inquiète pas que on a passé notre expertise Colin McRae il y a quelques années. Ah bah je vois ça là, c'est Vatanen. Ouais, on envoyait un petit 5 dollars et on avait le badge Colin McRae comme quoi qu'on était des pilotes. Ah ça, bah j'en veux bien de badge comme ça. Où c'est que je peux envoyer? Bah nulle part, il est mort dans un accident d'hélicoptère, le con, ouais. L'hélicoptère. Arrête. Quand on... Il était avec le chanteur Balavoine. Ouais, non, pas du tout, non, qu'il était pas avec le chanteur. Il était ailleurs, ouais, je sais pas où il était, mais qu'il était quelque part, quoi. Ah oui, parce que quand on arrive en ville, hein, bon... Ah oui, quand on était arrivé en ville, ouais. Et quand tout le monde qui dort en ville, dans les banlieues dortoirs. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, les banlieues dortoirs, nous, ça nous connaît, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Merci, Janus, pour tes 33 mois, oui, y a aucune notif, j'ai fait aucune notif, c'était un live... Normalement même sans câble, mais j'ai eu la pression sociale de deux personnes qui m'ont demandé de la mettre, du coup je l'ai mis. Ah, j'ai mal au cou. Ah oui, je vois, hein, je vois pourquoi t'as eu le badge, hein. Quoi? Tu maîtrises bien les virages, les coupés, tout ça, les bonnes trajectoires. Ah bah que ça, faut pas rigoler avec les trajectoires, hein. Que je cherche toujours la route avec le plus d'aérodynamisme pour pas consommer trop avec le prix de l'essence. Mais... Pas déconner. Sur le chemin le plus court. Exactement. Et là, tu vois les gens, là, ils se diraient quoi? C'est dangereux de prendre à gauche parce que les voitures peuvent arriver en contresens. Et ben c'est faux. Parce que le virage à droite, il est beaucoup plus sec que le virage à gauche. Que t'as plus de chances de mourir dans le virage. Alors que si tu fais ça, regarde. Hop là, là c'est sécurisé, tu vois. Bah tout de suite. Hein? Oh là j'ai vu. Ah bah là j'ai vu. Je prends note. Bah tu peux, hein, vas-y. Hein. Ah bah super. Et là, en plus, il me donne de la vitesse, tu vois. Et par contre, l'autre, depuis que je l'ai envoyé dans la forêt, on la voit plus là. Il est plutôt loin. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. On dirait qu'elle avance pas trop, sa petite charrette, là. Ah non, bah c'est surtout qu'elle a le cul blindé, à mon avis, là. Elle est remplie. C'est hein. Ça. Ouais.
Elle a rempli le réservoir. Ouais. Oh, les mecs de la Florière qui veulent ouvrir. Bon, on va voir ce qu'il veut dire, le mec de la Florière. Il va falloir qu'on s'arrange avec le mec de la Florière, là. Ça serait quand même plutôt bien. Parce que bon, ça quand même coûte 30 dollars pour mettre sa voiture au garage. Ah non, c'est pas pour ça, c'est les conditions salariales. 20 000 dollars pour quand tu signes avec eux. Il faut 20 000 dollars pour en partir de l'emploi. Et... T'imagines, c'était c'est pire que le mariage. Quand même. Ouais. 20 000. 20 000, ouais. Ça fait combien, ça? Tout dans de 4? C'est quoi, ça, tes conneries de 90, là? Mais non, ça fait juste 20 000. Ah, 20 000. Là... Après 20 000, ça ferait, je te dirais, à peu près 15 000. Qui c'est qui est pour chevilles, là? On sait plus trop, du coup. Merde. Je sais pas, faut pas s'arrêter. Ah, coupe, que... coupe les virages. Mec, je sais pas si on est pour chevilles ou pas, du coup. Attends, il est... Ils vont quand même pas nous faire chier pour un dépassement de ligne jaune. Et pourquoi qu'il est poursuivi, eh? Oh putain, faut ouais, déconner les gars là. Oh. Ouais, je suis désolé, c'est mon radar de recul, il marche plus, eh. Qu'est-ce qui se passe, messieurs l'agent? Et en fait, quand on roule en sens contre-sens sur l'autoroute. Oui. Mais comment ça en contre-sens? Il n'y a pas d'auto. Il n'y a pas d'autoroute. Il est où l'autoroute? On l'a pas appris. Ah, bah ça c'est. Ah, bah il faut repasser là. Bah ouais, mais ne mélangeons pas tout. Ouais, il est très à cheval sur les mots. C'est un Suisse, monsieur. Ah, pas de soucis. Mais du coup, évitez la prochaine fois, hein. Et puis quand on met les sirènes, mettez-vous sur le bas-côté. Je pense qu'il savait pas qu'il voulait dire. Quand on met les sirènes, hein, moi ce que je fais, c'est que je me décale pour vous laisser passer. Hein, vous savez, on va pas. Oui, on pensait-vous avoir intervention, hein. Ah oui, oui, comme vous avez vu remonter là tout depuis là derrière notre collègue, on se disait c'est bon là, ils ont besoin d'aller vite. Hein, donc... Y'a pas de soucis, mais faites attention la prochaine fois. Hein, oh bah toujours, hein. Ah, ouais, tu fais chier, Anatole, la voiture quoi, tu fais chier, merde. Hein. Fais chier. Oui, bah merde, putain, chier. Bon, allez. Plaisir. Bonne route, hein. Ah shit. Alors elle perd rien pour attendre, hein. La grognasse. Ou là dans le talus. Ah mec, je l'ai déjà foutu une fois, que si je peux la remettre, je vais la remettre dedans. Mec, là, il y a les flics derrière nous, alors que du coup, c'est un peu contraignant. Ouais. Oh, que ça, là, ça s'approche, là. Hein. Oh, attends. Oh, double axe, t'as vu, il m'a mis dedans et pas dedans. Ah, attention, elle a grossi, se ramène. Elle passe sur la droite. Elle va essayer de nous faire mal, je crois, la sagouin. Je crois qu'en tout cas, elle est déterminée. Elle a envie. Je vois dans son regard. Mais quelle salope! Ça c'est très con ça! Mais ça n'aura jamais de fin cette connerie, ma caisse, putain merde! En même temps, la voiture, je vois pas la différence de quand je suis monté dedans puis maintenant! Ah non, 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 et quand même, et ma caisse, allez, je vois, il y a une rayure en plus là! Ouais, mais bon! J'ai illustré avec des pots de yaourt tout à l'heure, je prends les petits Suisses là! Et... Ah non, fais pas ça avec des petits Suisses, fais ça avec des flambis, mais pas non. Avec des petits Suisses. Mais non, tu sais, les petits Suisses, là, avec la... Je prends ce qu'il y a autour du petit Suisse, là. Hop là. Les petits papiers, ouais, je les mets, là. Je prends les petits papiers. Putain de merde, ma caisse, tu déconnes, hein, vraiment. Et ouais, je polie avec, ouais. Eh oui. Elle a intérêt à bien se garer, parce que franchement, je vais pas la louper, hein. T'as déjà fait un peu de placement en bourse, t'as déjà essayé le boursicotage. Ouais, ouais. J'ai déjà... non, pas du tout, c'est quoi ces conneries, ça? Vas-y. Fais ça, mais j'ai arrêté, ça marche pas. Vas-y. Ah, vas-y encore, j'ai plus loin. Bien tenté. Oh, allez, d'accord, ouais.
Oh putain! Putain, je suis un peu là! Oh ma guess, les gars, putain, vous vous déconnez! On avait dit les motos en Y, pas les voitures en Y. Ah bah, je crois que la voiture elle est morte, hein. Tiens, tu vas devoir la foutre en fourrière. Alors! Ma pauvre voiture. Cette voiture, c'est pas elle est immobilisée, je la prends. Ah, c'est quel? Alors, ouais, c'est un juste joli cascade. Ouais. Putain, mais c'est quoi ce. Bonjour! Oh putain! Oh merde! Oh, je vais pas faire ça! Tu m'es trompé! Ah voilà, Jimmy! C'est pas ta faute! Fais-le, Rodney, c'est ton haleine! Allez! T'as une sacrée droite quand même! Oh merde! Oh là là, il est mort! Oh putain, ça va mon gars! Bah, tu m'as fait un peu mal! Franchement! Moi j'ai juste entendu le bruit! Bah, du coup, c'est vous, vous avez écrit des saloperies sur moi? Oh non, non, on n'a pas écrit des saloperies, non, je crois pas, ouais. pas encore. Si? Bah, si, oh, si, si. Pas. Ah non, on a relaté les faits, oui. Ah bah, il a relaté des fausses déclarations, il l'a même dit, mon employé, après dans une vidéo. Ah, je sais pas, parce que nous aussi on a la vidéo, hein, au pire. Hein. De quand il l'a dit. On a la vidéo de quand il nous l'a dit, donc bon. Ah ouais? Bah oui. Combien je vous paye, vous la supprimez? Ah bah il va falloir syndiquer tous vos employés, monsieur. Ah bah justement, je vous appelle, c'est pour nous syndiquer, parce que oh maintenant bah, notre... Oh super. Alors, ils sont pas là. Non, personne. C'est quoi ici, qu'habite ici? C'est une communauté. Oui, c'est une communauté de trous du cul, ouais. C'est-à-dire que c'est plein de trous du cul qui sont entassés et ça fait des immenses. Un énorme trou de balle, oui. C'est ça. Moscou. Ici, c'est beau. Ouais, c'était pas mal ici. Ah oui. Décidément, je suis jamais dans les bons coups. Ça me tenait à cœur de bien me garer. Voilà. L'arrière commence à avoir un petit peu mal. J'étais pas prêt. Ouais, t'es à la forme, le vieux. Ouais, tout ce qui reste au gouvernement se passe au gros gouvernement. Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça, et bah alors, je vais vous avouer quelque chose. Et le petit à côté de moi, le petit Gareth, va être surpris aussi. Ouais. Alors, c'est que dans les années 80, il y avait mon frère qui est au Lespidi aussi, qui s'appelle Barton Albert. Alors, il avait une petite amie qui s'appelait Véronique. Non. Et bah, en fait, le problème, c'est que la petite Véronique, et bah, elle a fini aussi dans mon lit. Et il l'a jamais su. Et lui, il était dans le lit aussi ou pas à ce moment-là? Et bah, en fait, la technique, c'est que j'étais en dessous du lit, j'ai attendu qu'il aille, parce que c'est un gros bouffeur, mon frère. Il a été bouffé pendant la nuit, et du coup, moi, je suis sorti du dessous du lit, et dans le noir, je me suis fait passer pour bébère. Ah ouais. Hey, je suis malade. Elle y a vu du feu. Ouais. Exactement. Et je lui ai allumé le feu du coup à la petite Véronique. Ouais. Coquille. Après, ce n'était une autorité publique, hein, que le frangin il avait une petite bite. Oh, putain. Ouais, mais si elle a pas eu la différence, c'est à dire que lui aussi. Bah ça va être ça. J'avais pas fait le rapprochement. Attends, putain. Ouais. Hey. Ouais, monsieur. Voilà. Bien, ouais. Alors du coup, c'est au monsieur au chapeau vu qu'il est en face de moi. J'ai fini, il y a le rendez-vous. Ouais. Bonsoir. Salut, bonsoir. Vous jouez à un jeu autour de notre table, c'est ça? Oui, on faisait un jeu. Vous voulez jouer au jeu? D'accord, parfait. Est-ce qu'on peut aller dans le bureau en haut? Ah, oui, allons-y. Monsieur le gouverneur? Oui. God bless, je me présente Cat American ainsi derrière le sergent. Oui, God bless. On va aller dans le bureau. Et en fait, le mec il nous a raconté un viol comme ça tranquillement, non? Ouais. Déjà, ouais, c'est ça, ouais, ouais, d'accord. C'est okay. Exactement ce que je me disais, ouais. Il a violé Belcher. Avec une petite bite. Quand même fou. Et non, les gars, la police, vraiment, je sais plus ce que c'était. Ah, mais non, ouais.
Quoi que je à chaque fois on entend des pompiers qui. Oh putain, on... On a perdu, on a perdu le ministre. Et ils ont changé de place. Bonsoir à vous. Vous. Bonsoir, monsieur. Messieurs. Ah, oui. C'est vous, secrétaire, là. Ouais, je suis le secrétaire. Ah, je reconnais votre voix. Oui, c'est. Yes, let's go, Louis. Bon, j'ai à venir. Bon, okay. Alors, nous avons besoin de vous, monsieur. Attends, avant. Hein avant. Vous avez avancé un petit peu sur l'affaire Globoil ou pas? Oui. Bref, c'est Gary qui a le plus avancé. Et Gary, ouais, il est en train de chier à Paléto, là. Il arrive. Il a pris un taxi. Bon, pour vous faire un bref résumé, les patrons, c'est hyper sectaire. Ils sont difficilement joignables. Ils ont 7 employés, je crois, un truc comme ça. Et voilà, ils recrutent pas, ça bouge pas, il se passe pas grand chose. Ouais. Bon, et ben ça tombe bien parce qu'on va rester dans la même entreprise. Hein. Oui. Oui, c'est Globoil là, oui, je me trompe pas. Oui, c'est bien Globoil. Vous avez quoi, vous, comme numéro pour Globoil? Parce que moi j'en ai un, je le charge, c'est bon. Est-ce qu'on en a déjà un? C'est la première question que je vous pose. Hein merde, attendez, je regarde. Non, j'en ai pas. J'ai un monsieur Davies. Attends, Globoil là. Moi j'ai un 41-98-84-30. Ah merde, moi j'ai un 55-62. Bon bah moi c'est le patron. Et Davies, c'est qui alors? Aucune idée, je retire pas les noms. Ah ouais? Et vous pouvez me leur donner? Alors, que vous avez. 41-98-34-30. C'est bien ça. Gary, c'est qui que t'as toi au pétrole? T'as le patron aussi? Non, mais j'ai celui de stage. Ok. Bah c'est bien, on a 25 numéros différents. T'as mieux, hein? Alors bon, on va rester sur la même entreprise parce qu'il y a un petit souci. Quelle bouteille? Comment vous dire ça? Ils ont pondu un contrat digne des contrats les plus bas de gamme au monde, à toutes les supérettes station-service. Oui. Le contrat plus pété que ça, je perds mes jambes, déjà qu'elles sont dans un sacré état. Hein. Bon, c'est du racket, hein. C'est du racket. C'est d'accord. Je vais vous lire en 10 secondes top chrono, parce qu'on n'a pas que ça à faire, de lire un contrat. Voilà. Alors, prix de la majoration. Donc, en fin de compte, il parle du principe qu'à la signature du contrat, vous acceptez les tarifs définis. Une commande à 500 litres sera à 5% de plus. Entre 500 et 250, 8% de plus. Bref, ils augmentent les prix, moins vous en prenez, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. À la signature de toute entreprise, se verra appliquer une réduction de moins 10% sur la première livraison. Donc, ça, c'est cool pour eux, hein. Ouais. Et toutes les entreprises auront le droit donc à des livraisons supérieures à plus de 500 litres. Voilà, c'est cool, hein, c'est gentil, on s'en fout. Par contre, il y a une exclusivité, hein, super, qui est que si vous coupez, il y a une rupture du contrat, vous leur devez 10 000 balles. Ah bon? Ah ouais. Voilà. Ah oui. Donc, ils sont pas bêtes. Sauf que le contrat, il n'y a ni date de début, ni date de fin, ni mention obligatoire telle que l'entreprise cible et l'entreprise déclarant le contrat. Hein, voilà. Donc c'est juste un prospectus pour moi, hein, c'est de la pub. Ah, il n'y a pas les noms des entreprises signataires, c'est à vous. Non, il y a juste en bas la signature du client et de notre entreprise. Hein, ouais, d'accord. Ouais. Voilà, avec une signature aussi digne des. Bref. Je reprends, ouais, ça me choque pas, ça avec les papiers. Quoi. Donc le souci, c'est qu'on voudrait bien que. Si je vous passe le contrat en question, vous le décortiquez un petit peu pour leur mettre la misère, quoi. Ouais, en gros, vous vous souvenez le jour quand on s'est rencontré au, au vendeur d'occasion, vous avez demandé à ce qu'on vous fasse confiance. Là, on vous offre un gros scoop avec déjà toutes les informations que vous avez besoin. D'ailleurs, tu leur as parlé qu'il n'y avait pas de date dessus, donc le contrat était nul. Oui, il a dit. Et de ce côté-là, on vous offre un scoop de manière à augmenter votre réputation au sein de la ville pour vous montrer qu'on vous fait confiance de ce côté-là. Ok, très bien. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, ce qui vous arrange, et voilà. Oui, bah, nous, ce qu'on fait surtout, c'est qu'avant de le publier, on va, sans dire ce qu'on a dans les mains ou sans dire qu'on se côtoie, on va quand même essayer de parler au patron pour voir un petit peu souffler le chaud et froid. Bon courage. Tenez, monsieur le syndicat, je vous dépose ça sur le tapis. Merci. Et tu leur as dit qu'ils étaient vivants, les patrons du bois? Non, j'allais enchaîner là-dessus, ouais. J'allais enchaîner là-dessus, ouais. On a trouvé leur trash. Ouais. On va s'occuper de ça dans les 48 heures.
Ah, on vient de lui parler. On a juste, ouais, pour le bois c'est un peu compliqué parce qu'apparemment il y a eu des taxes pas possibles sur leur exportation, là, si j'ai bien compris, ouais, non ? Sur leur acheteur, ouais. Ouais, ouais, bah, apparemment. Et donc là, j'ai vu le mec, et apparemment, bon, j'ai l'impression que c'est une grande famille, et en fait, c'est pas le grand-père qui gère tout ça, quoi. Apparemment, le grand-père, il est, ou je sais pas quoi, il est jamais là. Il doit être à l'hôpital, ou j'en sais rien, il doit être sénile. Mais le fiston et tout, ils ont l'air de galérer plus qu'autre chose et d'essayer de s'en sortir. Ah. Ouais. Ce serait pas mieux que ce soit eux qui reprennent la main, du coup ? Donc nous, moi, alors avant de bouger une oreille, ce que je leur ai dit, c'est moi, je peux bouger une oreille, mais ça va nous prendre pas mal de temps. Ce qu'il va falloir qu'on voit les employés pour bien voir que du coup, ça fonctionne et qu'ils sont contents du patron, du co-gérant, etc. Et ce que je voulais, c'est qu'une fois qu'on a sondé, on vous le dit. On vous dit en gros, ouais, bon, bah, les employés, ok, les trucs, ils sont ok, et bah, si vous pouvez faire quelque chose en fonction de ça, quoi. Mais pour le moment... Comment ? Une petite rencontre avec les gérants pour voir si jamais ils font l'affaire. Oui, voilà, ouais. Mais pour le moment, de toute façon... voilà, on lui a pas demandé grand chose, on lui a demandé 5000 balles pour faire toute l'opération, le truc, le machin. On attend qu'il nous réponde, quoi. Voilà. Ok, ça marche. On va pas se casser le cul pour 200$. Enfin, voilà. Parfait. Bah, on attend de voir dans votre journal hein, le petit mot sur ce contrat de toute beauté. Hein. Il y a la fourrière là qu'on avait quand même aussi le contrat avec. Qui était un peu compliqué là. Et les menaces qu'ils font sur les employés. J'en ai eu beaucoup. Hein. La fourrière, le patron, il a pas l'air. Le dossier. Ouais. Ouais. Notre annonce, on a fait quelque chose pour ça. La fourrière devient publique et plus privée. Ouais, c'est ce qu'il a dit ça. Ce sera acté demain. Ok. Oui, ok, bon. Bon, bah, du coup, ouais, je verrai avec lui pour les syndicats, etc. Et ouais. Que. Ouais, bon, bah, très bien. Ok. Hey, Jojo. Oui. J'ai pas lui parler du barrio, là, tu sais, par rapport au projet que t'as dans. Ah, je sais pas si vous avez lu notre petit article de presse, ouais, qu'on avait de la demande là-dessus. Sur les SDF, ça devient problématique, quoi. Non, vous avez pas lu le dernier article. Ouais, c'est l'article qui est sorti ce soir, là. Je l'ai pas lu, celui-là. Ouais, bah, je vous prenais le temps de le lire et puis vous me recontactez. Je suis pas prêché, ils peuvent passer encore 3 ou 4 semaines dehors. Ouais, oui, c'est vrai. En gros, il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue et qu'on se proposait d'avoir quelques clés du barrio pour pouvoir les loger et faire des colocs là-bas. Pour faire un petit village de travailleurs, quoi. Pour pouvoir épauler les travailleurs et puis qu'ils aient un logement, un logis, de quoi manger, etc. Au sein du barrio, on ne demande pas grand-chose, hein, même si c'est 2-3 logements au début, et puis derrière, on les loge dedans. Les logements sociaux, il y en a plein. C'est important pour les travailleurs. Et bon, on va lire cet article, ça, et on plongera dessus à tête reposée. Ah bah super. Allez, bah, aussi au courant, oui. Ouais, nous, on va investiguer sur Google. Oui, Edward, tu leur as dit la contrepartie par rapport à la signature du contrat ? Genre, si jamais ils le faisaient pas ? Ah oui, parce que le petit c'est pour ça, plus, pour catégoriser raquettes. On est à un niveau de raquettes dans le sens où ils les ont un peu menacés, dans le sens où s'ils refusent de signer le contrat, bah, il est possible que soit les prix de l'essence augmentent, soit qu'ils aient plus de stock pour eux, quoi. Ah ouais, genre, plus de station voilà, du tout. Donc, oui, d'accord, voilà. Donc, en fin de compte, limite, ils les obligeaient à signer. L'avenant, quoi, ouais. Donc, ouais. À savoir qu'il y a Monsieur Noël et Monsieur Brando qui refusent ce contrat, au cas où, si vous voulez leur parler, hein, c'est au Little Seoul. Il y a Vladimir, hein, j'ai oublié son nom de famille, mais on s'en fiche, qui est sur l'autoroute. Ouais, eux, franchement, sans importance. Puis alors, eux, c'est des malades, hein. Première fois qu'on les a vus, ils nous ont dit, tu me dis bonjour autrement, et... Il voulait faire quoi ? Oui, Te la tête, déjà, et il a dit « Je vais prendre ta queue de cheval et te la fourrer dans le cul. » Ah ouais, des malades. Dans son cul. Nous, dès qu'on a l'occasion, on va chier un peu devant leur boutique, hein, parce que c'est n'importe quoi. Ah bah attention, parce que je crois que ça, c'était leur pote. Hein. Le gérant, il est nickel. Gérant, il est nickel aussi, et c'est leur pote, parce que leur pote... Ah, le chauffeur. Oui, c'était le chauffeur. Oui, le chauffeur, c'est un sacré con, oui. Oui, parce qu'on lui a dit « Chauffeur, t'es pas dans le rendez-vous, retourne au volant. » Il a commencé à nous insulter, voire à sortir les points. Hein. Ah oui, ah ouais, je suis d'accord. Ah donc, oui, je me suis sorti. Bah, attendez, est-ce que c'était un russe qui, quand il s'énerve, il parle italien ? Oui, c'était ça, oui. Ouais, bah c'est lui alors. Ah ouais, c'est bon, on parle du même. C'est les Russes de Sicile. Oui, c'est la même personne. Oui, là, c'est très aussi. Ouais, okay, c'est le sud de la Russie, vous inquiétez pas, Igor, il connaît. Maqué. Ouais, bizarre, oui. Ouais. Très au sud de la Russie, en effet. Péninsule, comme on dit. Allez, on fait l'accent, Igor, comme tu fais. C'est quoi, quel accent ?
Par contre, j'aime pas trop parler de ça, que nous, qu'on bosse beaucoup et que je vous avouerai qu'il y a personne qui nous paye pour le moment. Alors là, on avait quand même... On vous souhaite une bonne soirée. Merci. attendez, je suis pas en train de vous raqueter. Mais là, le problème, c'est que demain, à mon avis, on aura plus de quoi bouffer, quoi. Parce que moi, j'ai 15 syndicalistes à faire bouffer, ouais. Bah oui, mais on s'est vu la semaine dernière, maintenant, faut que je vois pour cette semaine, non ? Moi, j'ai même pas de mal. Ouais, ouais, bah ça, après, moi, j'aimerais bien vous venir vous voir avec des vrais résultats, que là, on est en train de travailler sur tout ça. Bah là, on vous lance des missions, déjà, donc pour tes missions, j'imagine qu'il faut qu'on serve vivier, hein. Bah oui, c'est mieux, ouais. Oui, oui, allez chercher un peu d'argent. Oui, je vais chercher un peu d'argent, oui. Surtout que c'est risqué, vous savez, hein, les gens, ils sont très violents avec nous. Ouais, on se fait beaucoup. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux, là. Donc, bon, moi, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez 4, quoi. Ah non, non, non. Bah, vous savez, Non, on est une douzaine, ouais. On a un stagiaire, là, il nous vient de Russie, c'est l'enquête d'un... Comment c'est... Un échange culturel. Un Erasmus, un Emmaüs, ouais. Ouais, ouais. Là, on a un Suisse qui est arrivé ce soir, là, derrière, et présente-toi, Billy Bubble. Ah ouais, bah moi, c'est Jimmy Pichampi, je viens de Suisse, et moi, je suis venu pareil pour faire un petit stage hein, au syndicat, c'est important quand même. Je savais pas que c'était possible de faire des stages dans un syndicat. Ah si, si, ouais, bien sûr. Je suis là pour apporter une expertise. C'est un cas extrêmement rare de Suisse syndicaliste, c'est extrêmement rare, on nous a dit. Oui, c'est vrai que c'est rare. C'est le côté financier du... C'est sûr qu'il est suisse d'ailleurs, qu'il n'est pas à la frontière. Ah, bah le mettre à la trésorerie au pire. Ah non, bah j'étais du côté de Porrentruy. Ah, c'est pas un suisse allemand, on n'en veut pas de ça. Non, du tout. Du tout. Oh non, non, aucun risque. Aucun risque. Oh non, non. Rien à voir. Ouais, bah donc, on a un petit peu de manœuvre supplémentaire. Exactement. D'ailleurs, si vous avez un petit natel à refourguer, je suis preneur. Ah bah j'ai rien, moi. Ouais, c'est un téléphone. C'est ça, un bigot. Ouais, un biglophone, il cherchait absolument. Ouais, on va t'en trouver un, mon gars. Ouais, on va t'en trouver un, t'inquiète pas, ouais, qu'on va s'arranger. C'est qui gèle le l'adjoint, c'est ouais. Avec c'est moi, c'est Jojo, ouais. Et Jojo, pour le moment, le trésorier, ouais. C'est parce qu'il a la banane. Ouais. J'espère que vous avez de la place dans la banane. Bah, je vais lui donner un chapeau, c'est pas pour... Oh là, je vais t'aider, Jojo. Ouais, c'est peut-être pas moi qui vais gérer le pognon, du coup, je vous laisse... Fais un lap dance, Jojo, là, vas-y. Je vous laisse gérer, là, parce que... Fais pas ta pute, danse pour le goût. Ouais, j'ai déjà mes deux goûters dans ma banane, faut pas déconner, non, je vais pas en plus prendre Elias, hein. Ouais, Barnabé... Recule-toi, Billy Bubble, recule-toi, on devrait venir. Putain, si c'est Gary qui a tout pris, les mecs. Gary, il a un petit côté kleptomane, ouais. Putain, Gary, il va nous échanger ça, il va récupérer une ambulance, il va la revendre, il y aura un camion de pompier, à la fin, on aura la bagnole du gouvernement. J'en ai deux, je vous le dis. Bon, ouais, du coup, on vous tient au courant demain, on vient vers vous, là, on va avancer sur le sujet. Okay, c'est génial, enfin génial plutôt. Ah oui, et puis l'autre problème avec le pétrole, d'ailleurs que j'ai entendu, c'est qu'apparemment il y a eu des plaintes comme quoi il ravitaillait une fois par... Enfin le soir, souvent c'est à sec, quoi, et le soir il n'y a aucune citerne qui tourne, quoi. C'est le matin et début parce de... que la journée, le matin et aujourd'hui, ouais. Ok. Ah bah ça oui. En plus de forcer à mettre dans les stocks. Ouais. Vous savez, en fonction de ce que vous allez faire et que ce qu'on va faire après, il y aura peut-être du changement un peu. Donc, bon. Ouais, surtout que c'est une belle boîte le pétrole, il faut pas déconner, après, ça doit être la plus belle boîte. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents. Hein. Enfin, disons que le pétrole, ça... je me sens à mon aise. Ah oui. Mais surtout qu'en plus, c'est pas comme si c'était une entreprise plutôt nécessaire à Lille. Ah bah clairement. Ouais, c'est vrai. Et si ça tourne mal, Lille tourne mal, quoi. Ouais, c'est pas fou, ouais. Bon bah super, je vous appelle demain concernant tout ça. Nickel, super. Allez, bah, merci. Bonne soirée. Allez, ouais. Monsieur le gouverneur, des jaloux de quoi, tortue, franchement. Franchement, on bosse bien. On fait quand même plein de trucs, je prends un article par jour. On n'était pas parti là-dessus au départ, on fait plein de trucs pour le cerveau au final. On aide les gens à se structurer un peu. On n'est pas vraiment illégal, hein. C'est n'importe qui fait ça, il aura la même chose que nous, quoi. Ah oh ouais, bah qu'ils aillent se faire enculer, tortue, parce que là, on en tire aucun avantage. S'il te plaît. On tourne dans des empereurs. Est-ce que j'ai déjà touché une seule fois à mon argent ou quoi? On s'en bat les couilles. Les mecs qui critiquent ça, justement, s'il y en a, bah ça sera toujours. Bah moi, j'aime bien le concept. Je voulais faire le syndicat et je voulais faire un journal. J'ai toujours voulu faire les deux. Les deux rassemblés, du coup, c'est bien. Je sais pas, là on a eu 30 000, mais en vrai j'ai pas tout de suite utilisé, ça veut dire que là on doit être pas être loin en cash d'être l'un des. Enfin, quasiment les plus riches du cerf, je pense. Ah, tu dis ça parce peut-être. Que je sais pas. Comment de temps, c'était la femme qui faisait le DJ hier soir.
Et vous, vous auriez pas son numéro, ça fait, non? Ça fait $25, c'est monsieur. C'est combien la bière, s'il vous plaît? Je crois que monsieur qui paye pour tout le monde, ça fait j'ai posé 4 bières, ça fait $100, s'il vous plaît. Ouais, je prendrais 4 bières aussi sur le compte de monsieur. Ouais. Oh non, alors attendez. Là, il y a $1. On fait encore 99, s'il vous plaît. Ouais, ils sont... Oh là là, eh. Prenez les 200 dollars. Dis-moi, ils sont 99, mais il est suisse. Ah ouais, ça y est, une communauté secrète. Ouais. Ah ouais, putain, et le con. Le barman, là, t'es suisse. Oh, merci beaucoup. Ouais, je viens de Suisse, moi, ouais. Ah bon, mais tu viens d'où, en Suisse? Alors moi, mon papa, il vient... Ma maman, elle vient de Saint-Viez, dans le Valais. Et puis, mon papa, il vient de Goumois-le-Jus, dans le canton de Vaud. Ben je vois, je connais bien, moi je suis de Porrentruy. Attends, t'es un Jurassien. Ah oui, juste à côté. Bien sûr. C'est incroyable quand même. Ah, le monde est petit. Mais les grands esprits se rencontrent. T'as pas d'absinthe, t'as pas une petite fée verte, un truc comme ça. Non, on a pas, désolé. Dans 2 minutes, il se suce le chien. On a essayé de commander, mais on a pas. Bah oui, bah essaie d'avoir ça, ou ne serait-ce qu'un petit fernet de branca. Attends, je vais te servir de la d'œuf. T'as déjà goûté la d'œuf d'ici? Non, je connais pas, mais vas-y, fais paix, donne. Ouais, qu'est-ce que t'avais bien? Ah putain, ça me tue. Ouais, c'est incroyable. Alors, ça c'est à partager, c'est le monsieur qui a cassé le monde offert. On peut dire merci au monsieur le policier. Merci. Ah, merci, ouais. On dira. Allez, ouais, ouais. Merci, monsieur le policier. Alors, ça c'est la bière d'œuf, c'est brassé dans le Nord. Monsieur, avez-vous payé pour moi? Ouais, ah j'ai payé pour tout le monde, j'ai filé 200. D'accord. Ouais, j'ai filé à lui, ils font de bouteille, moi. Servez-vous. S'il manque un peu d'argent, vous le dites, je vous file ça. Bah pour l'instant, vous avez donné $200, j'ai fourni 8 bières, alors normalement, il y a tout le monde qui devrait être servi. Ouais, ouais c'est bon, vous inquiétez pas, ouais. C'est bon, ouais, je vais boire celle de Nathan, moi. Mais c'est pas bon pour lui. Ouais. Mais ça... Quoi? Ah dites-moi monsieur là, vous auriez pas le numéro de la petite Samantha là, qu'on doit l'avoir parce qu'on lui doit du pognon mais qu'on n'arrive pas à la retrouver. J'ai pris ma bière. Oh la... Il disait t'as pas le bigot de la petite Samantha. La petite Samantha, non, alors c'est Shannon qui a le numéro Samantha. Parce que c'est elle quand elle était au bar hier soir. Oui. Non moi je l'ai pas. Mais Samantha, il faut la trouver sur les formats. Parle-moi fort Eustace. Elle est sur les fonds vendés, elle fait l'influence. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Il a dit qu'elle est influenceuse. Oui. Ah, il d'accord. Qu'il était influenceuse sur le leaf invader. Oh merde, attendez. Non, je me suis Attendez. Il y a encore 3 bières là que j'ai oublié de servir. Ouais, d'accord. Je les ai fait tomber. Ouais, moi je l'ai pas pris encore. Et j'en ai pas rien pris. Alors, ceux qui n'ont pas encore eu de bière, servez-vous ici. Ah, bah c'est super ça. Où ça? Là, sur le comptoir. Ouais, sur le comptoir, tu les vois pas là? Ouais, merci bien. Sinon, t'as pas une petite prune ou de la poire, quelque chose comme ça. Et tu sais qu'à tout point, Alors, le patron, il a essayé de trouver des fournisseurs pour avoir du whisky, de la vodka, des choses comme ça. Mais ça se fait pas. Mais j'ai pensé à toi tout de suite, du coup. Ah non, je crois que c'est le barman en plus. Bon, et apparemment, il y a son numéro sur la Film Vendor à l'autre con là. Ah bon? Ah bon? Oui. Moi, je veux bien regarder à Samantha, mais. Mais c'est pour lui dire quoi en fait? C'est en rapport avec le groupe là. Le truc d'hier. On a le numéro. Par rapport à son mariage. Mais non, mais il faut qu'on la voie pour voir si c'est vrai l'histoire, etc. Attends, je. Tu veux pas demander ton pote suisse là? Mais il a demandé déjà. Non, il a pas le numéro. Il m'a dit qu'il fallait aller voir sur le Leaf Invader ou je sais pas quoi là. Ça le fait ou pas? Tu me dis hein. Oui, vas-y, ouais. Ok. Bah attends, mais si je les vends 1000 et qu'il y en a 3 et que tu dois toucher 50%, ça fait 1500. Attends, 2h30, ouais. Si tu dois toucher 50%. Ouais. Et que du coup, je lui vends 1000 l'unité et qu'il y en a 3. Ouais. Il y en a 3 aussi. Il y en a 6. Ah bah d'accord, il y en a 6, donc ouais, 3. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et que on va faire une petite annonce. Oh putain, on va s'auto-sponsoriser dans le journal. Article sponsorisé, rachetez votre heure. Oh putain, il faut que l'un de vous, là, ce soir, il se prenne en photo avec des beaux habits, là. Et on va l'appeler... qui c'est qui maîtrise l'accent, l'accent? Igor, il est bien avec les beaux habits, hein, oui. Ouais, arrête, la Rothschild, elle est magnifique, quand même. Moi, je propose qu'on envoie à Rothschild, là. À le Suisse? Ouais.
Ou alors, qu'il lui arrive, c'est à la limite. Hein, ouais, mais c'était voulu, ouais, parce que je savais pas combien de temps j'allais durer. Je pensais rester une demi-heure, une heure, donc j'avais pas fait de plus. Un petit peu, là, il sera parfait. C'est vrai qu'il le fait bien aussi. Coup bloqué. Il a ce côté. Et pas de chauffage ça, encore. Voilà. Ouais, il faudrait que tu te prennes une photo et je vais te laisser des thunes là. Ou tu prends. Ouais, laisse tomber, on va te prendre en photo comme ça. Hein ? Ouais, d'accord. Avec des chaussures peut-être. Non, ouais, mais je le prends de face, attends. On fait une publicité. Ah, ouais, ouais. Viens, lève-toi. Si, si tu veux, j'ai une belle veste de costard dans la voiture. Ah, pas facile, mais là, ouais. Ah bon ? Ouais, tu prends la photo de demi, comme ça on verra que le coaster. Ou file ta veste au pire, Pamela, en vrai. Ouais, bah vas-y. Hein. Au pire, prends la veste de Pamela, non ? C'est mieux ce que t'as dans le coffre ? Ah bah c'est une belle veste de costard suisse, oui, bien sûr. Ah bah vas-y, alors veste, récupère. Hein. Ouais, sinon, ouais, tu peux mettre en slogan, tu peux mettre Kenny Reeves vous a volé avec Cyberpunk, qui se rachète en vous rachetant votre heure. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Ah, c'est un truc que j'ai eu sur Alif Avaler. Ah, t'en bouge pas, je vais te donner ça. Ça va être beau. Allez, vas-y, ouais, donne-moi tout. Tiens. Non, mais mets-la. C'est toi qui dois la mettre. Mais non, c'est Kenyu. Non, mais mets-la. Ah, c'est Kenyu. Ah, ah bon, on va mettre Kenyu, ouais. Mais tu m'as rien donné, là, qu'est-ce que tu racontes? Par terre. Ah, oui. Là, ah, je pensais que c'était le Suisse qui faisait le chercheur d'or, moi. Les couleurs béton. En vrai, vous êtes le Suisse, il est pas connu, on aurait voulu l'afficher lui, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi je suis plutôt connu. Ouais, et puis ça lui va pas du tout. Vas-y, reprends ta veste, c'est toi qui vas faire le chercheur d'or. Ouais, ouais, les patates avec Kenyu, t'es trop costaud. Kenyu Wish. Merci pour la blague, je ne sais pas. Ah, mais dis donc, ça fait des trous dans ton truc. Ouais, ça va. Kenyu Wish. Ah, c'est parfait. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va rester, ça. C'est vraiment le plus beau, son perso. J'aurais aimé avoir un perso comme ça, en vrai. Ah ouais. Oh là là, et ben voilà, mec. Ouais. Ah, c'est dommage que t'aies pas de... Ah, c'est dommage on voit tes tétons, quoi. Oh, pardon. Oh là, ça l'a énervé, il aime pas... Oh, on se calme, hein. Je suis pacifique. Eh oh, oh putain de merde, eh. Gagnez-vous. Personne ne dégage téton. Le combat syndical ne se mène pas que par la violence. Bon, allez, c'est bon, attends, je vais te prendre en photo. Tu peux ajuster au niveau du plan. Je vais me mettre devant la pute. Non, mets-toi devant devant le mur, là, qu'on voit pas où on est, là, parce que sinon... Ouais, bah te mets pas devant le mur, là, alors. Eh, pitch en pitch, moi, je te prends mes lunettes. Ah, t'as des lunettes. Pourquoi? Attends, j'ai des beaux yeux. Ouais, c'est... Il a une belle tête de... Ouais. Mais c'est quoi? Ah, juste le torse, hein. Bon, je lui dis de se mettre dans le mur pour qu'on voit pas l'environnement, vous mettez moi sur la photo, bande de cons, ouais. Je pense qu'il faut qu'il prenne la veste de Pamela. Voilà, parfait, ça. Il est parfait comme ça. Allez, impeccable. Faudra foutre tout choupé, là. Tu peux me faire un ouais, c'est ok, c'est oui, ou je sais pas quoi, non? Des petites. Ouais, lève les pouces, hein. Fatigue. Ouais, touche-toi les tétons, là, vas-y. Tous, Ouais, c'est bon, c'est dans la boîte, allez, voilà, c'est comme ça. Donne-moi tout ton or. Ouais, tout ton or. Ouais, on rajoutera des lingots en post-prod. Ouais, non, mais quand il va tendre les bras en l'air, je vais faire tomber des lingots dans tous les sens, ouais. Il va les récupérer avec ses mains, c'est bien ça, non? Ouais. Ouais, fais gaffe que les gens croient pas que c'est une golden shower quand même. Oh là là, incroyable. Bon, bah, c'est bien. Ouais, c'est bon, ça t'a fatigué cette histoire. Ouais, remets-toi. C'est crevant. Ouais, j'imagine. Ah, du coup, qu'on met Golden... Comment qu'on va t'appeler? Golden Retriever? Non, attends.